Tout est fait, bonjour. Philippe, je suis indépendantiste. C'est Philippe Gustin qui l'a dit ici dans Face à la presse, il l'a dit aussi dans France Antille. Il est indépendantiste, mais précisons bien, quand il s'agit de l'indépendance alimentaire et énergétique de la Guadeloupe. L'indépendance ne veut pas dire autre chose que cela. La Guadeloupe peut nourrir ses enfants, du moins partiellement, du moins plus qu'elle ne le fait aujourd'hui avec l'apport d'autres produits alimentaires venus d'ailleurs. L'énergie, elle peut en produire, solaire, éolienne, l'énergie de la mer aussi, à condition d'avoir l'usine marée motrice, géothermique sans difficulté, mais les hydrocarbures viendront d'ailleurs. C'est une indépendance mesurée donc. Guy Losbar a engagé la grande discussion sur le statut, ceci en préparatif du congrès des élus qui se tiendra sous la houlette de Josep Borrell l'Incertain en fin de mois. Il s'agit pour le président du GUSR d'arriver au congrès avec un discours formaté, approuvé par les instances du parti, car il s'agit cette fois de ne pas passer à côté de faire le bon choix, 73, 74, ou peut-être l'autonomie à la carte, tout est possible. Victorin Lurel est sénateur, il est ancien ministre de François Hollande. Il dit que la gouvernance vient de supprimer 180 millions d'euros de crédit pour l'outre-mer, mais ces 180 millions qui étaient alloués aux Outre-mer repartent à Paris. Pourquoi ? Parce que les dossiers qu'ils auraient pu abonder n'ont pas été faits, ont été mal faits. Chaque année, ce sont des centaines de millions alloués aux Outre-mer qui retournent à Paris ou à Bruxelles, faute de dossiers. L'Outre-mer manque d'ingénierie au niveau des collectivités. Josette, réveillée par la bronca de mer dont les communes sont impactées par l'arrivée massive de sargasses, Josette Borrell l'Incertain, présidente du conseil départemental, a mis les bouchées doubles. Elle a mis en place des moyens humains et matériels pour engager le port de la Désirade, venir au secours des Saint-Ouen de Terre de Bas, obliger un temps de se déplacer pour éviter les émanations toxiques de ces algues, car même si on fait comme si, ces émanations sont toxiques. François, leur discrétion est proverbiale, mais ils sont importants. Un directeur chasse l'autre, François Deruder est le nouveau directeur de l'action culturelle de l'État dans l'archipel. Bienvenue, bonsoir et à demain.